Le rouge. C'est parti! Nous sommes en live. Bonjour et bienvenue sur la page Quoi d'autre est possible et puis aussi sur la YouTube puisque cette vidéo va bien vite passer sur YouTube et puis tu t'écroules, tu te fais petit. Non, non, c'est toi, grande. Ça, j'essaie de m'expanser avec mon siège. Voilà, c'est bon. Voilà. Je pense à la réalité financière. Oui, alors on a un beau sujet pour l'été, là. Oui, ça nous met beaucoup en joie. Un sujet de l'invitation, c'est de changer votre réalité financière. Et si votre réalité financière n'était pas une fatalité? Et si tout était possible par rapport à l'argent? Voilà l'invitation de ces clubs de lecture. Est-ce que tu peux nous présenter le book club? Parce que c'est deux formules différentes quand même, puisqu'on a le book club au sujet de l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Donc, c'est sur 4 appels. Et le quelle activité? Là, c'est une autre formule. Oui, tout à fait. Donc, l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et s'il s'agissait de votre capacité à recevoir, c'est là justement où Access Consciousness se démarque un peu par rapport à toutes les approches par rapport à l'argent. Et ce qui est pointé, je dirais, c'est notre capacité à recevoir, recevoir dans tous les domaines de notre vie, recevoir l'énergie en général. Et c'est là que ça se passe, c'est là que sont les clés pour changer notre réalité financière et pour augmenter, au fond, nos revenus, quelque part. C'est... Donc, la semaine prochaine, lundi 10 juillet, nous allons commencer « L'argent n'est pas le problème, c'est vous » sur 4 appels d'environ 1 heure, où nous allons donc, comme tout club de lecture, nous allons lire des paragraphes et je vais, et tu vas m'aider d'ailleurs, tu vas participer à cette lecture, et je vais faciliter, en tant que facilitatrice certifiée, c'est moi qui facilite du coup, par rapport au sujet du livre et ce qui sera lu. Voilà. Là-dedans, dans ce livre, il y a plein de petits outils pratiques. C'est ça. Il y a des partages d'expériences de Gary aussi. Et il y a vraiment de quoi s'amuser, à jouer avec, je dirais, notre réalité, là où on est un peu coincé. Et où parfois on n'a pas envie trop de se dire qu'on est un peu coincé là-dedans, qu'on n'a pas trop envie de se dire qu'on a ces points de vue-là. Mais si on se montre suffisamment vulnérable par rapport à soi-même, qu'est-ce qu'on peut justement changer et créer de plus grand dans notre vie? Et ici, par rapport à l'argent. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Donc, c'est un livre qui se veut quand même pragmatique puisqu'il y a quand même des mises en pratique. Ce n'est pas de la théorie, il y a aussi quand même une mise en pratique puisqu'il y a l'outil, par exemple, juste pour en citer un, les 10%. C'est une possibilité pour augmenter sa réalité financière, pour accroître ses revenus. Et si vous avez des questions par rapport à cet outil, si vous en avez déjà entendu parler, et vous posez la question « comment je peux mettre ça en pratique ?» ou « que faudrait-il pour que… » je puisse, on va dire, m'amuser avec 10%. C'est une possibilité aussi de venir à ce book club, One Florence. Ça fera un grand plaisir de faciliter cette énergie avec vous. En et faciliter cas, vos points de vue qui vous empêchent de jouer avec ces outils et de croire qu'il y a, que c'est vraiment possible de changer tout ça. Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte de parcourir le livre et puis de recevoir en fait ce que je n'ai pas encore, ce que je n'étais pas encore prête, j'étais pas encore prête à voir aussi à ma première lecture que j'ai pu faire seule et avec toutes mes questions que j'ai. Chouette alors, il y aura des questions. Oui, au plus on lit un livre, au plus on découvre de nouvelles facettes et quand on participe à un book club comme ça, le fait d'avoir la lecture à haute voix déjà fait bouger des choses. Ouais. Et puis, il y a cette énergie de groupe aussi qui fait qu'on s'entraîne tous vers plus grand. C'est ça qui est vraiment génial. Exactement. Et moi, ça fait la 5e fois, je crois, que je lis le livre, ou 6e peut-être même. C'est peut-être bien la 6e fois. J'ai 6 qui est léger, donc ça doit être 6e. Et je découvre encore.
Je découvre en or et tout à coup, je lis une phrase et je me dis, ah, oui, c'est très clair. Hein. Bon, ok. Ça m'embête, hein, mais bon, oui, ben oui, c'est vrai, je suis coincée là. Ok, d'accord. Et puis, tu sais, il y a des fois, tu commences un livre et puis tu t'endors à la première page. Cet effet de... comme si, en fait, on te donne un souvenir. Hein. Et ça m'a fait ça sur pas mal de livres. Et le fait d'avoir le book club, en fait, ça nous maintient, vu que tu déveilles en même temps et que tu facilites l'anticonscience qui est en présence, enfin, bon, j'ai l'anticonscience, mais qui nous assomme peut-être aussi à chaque fois, ou au coup de notre conscience, ça va aussi être un nouvel espace, en fait, de lecture pour les personnes qui, peut-être, qui se retrouvent dans cette situation où elles ont le côté « Ah non, je referme le livre parce qu'en fait, ça me fatigue trop. » Voilà. Et moi, là, j'ai eu beaucoup de... Moi, je l'ai lu la première fois très théoriquement, ce livre, en mettant du fluo partout, d'ailleurs. Oui, et puis, j'ai participé à un book club, parce qu'au fond, je résistais hyper fort, et j'ai participé à un book club qui m'a beaucoup aidé à rentrer dedans. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai souvent freiné. Et au fond, j'ai souvent freiné. Pourquoi ? Ben parce que je vivais à travers la réalité financière des autres. Et au fur et à mesure que je me rends compte combien je suis dans les points de vue des autres, que ce soit des points de vue familiaux, des points de vue plus... si je ne trouve pas le mot, collectif, c'est ça que je cherchais. Collectif, donc pas spécialement de gens qui me touchent directement, mais voilà, c'est des énergies qui se baladent là, qui flottent, entre guillemets, qui flottent et qui nous emmènent justement en nous hypnotisant un petit peu. Ouais. C'est... un jour, j'ai au fond tapé le poing sur la table, un jour, intérieurement, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et souvent, ce sujet est lourd. Pourquoi ? Parce qu'il est bourré de mensonges. Il est bourré de mensonges pour nous, parce que tous ces points de vue qu'on a des autres et qu'on capte des autres sont des mensonges. Ça ne colle pas à ce que nous sommes vraiment. Ouais. Et donc, le fait de pouvoir prendre conscience de tout ça, de pouvoir libérer tout ça, eh bien, ça... vraiment créer un changement. Un changement aussi bien par rapport au fait de vos rentrées d'argent, mais aussi de votre façon de vous sentir par rapport à l'argent. Est-ce que vous êtes dans le manque ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous omnubile du matin au soir ? Tout ce rapport à l'argent change du coup en déblayant ses points de vue, en déblayant ses limitations. Voilà. Que faudrait donc que ce soit joyeux ? Oui. Oui, justement, j'aime bien amener de la joie dans mes appels, j'aime bien amener de la joie, qu'on soit dans la notion de jeu et qu'on arrête de se prendre au sérieux, d'être dans la gravité de la vie, les choses sont graves et tout va mal. Oui. Ça, c'est ce qu'on nous rabâche les oreilles et ce n'est pas notre réalité à nous qui savons que beaucoup d'autres possibilités sont présentes et parfois on n'ose pas vraiment. On se dit que c'est pour celui d'à côté, même si on sait que c'est vrai. Donc l'invitation, c'est vraiment d'y aller soi aussi. Et ensemble, ben, c'est souvent un peu plus facile. On va plus loin. Voilà, et on va plus loin. Ouais. Ouais, voilà. Et le deuxième book club que tu nous proposes avec le cahier d'activité. Donc, le cahier pratique devenir l'argent. Donc, comment devenir l'argent, cahier pratique, ça c'est le titre exact. Là, c'est un book club qui va se passer sur 10 séances. 10 séances d'environ une heure, et si par hasard au bout des 10 séances on n'avait pas tout à fait terminé, on rajoutera un appel, parce que là on va vraiment dans tout le livre, on lit tout le livre dans la première exploration du livre L'argent n'est pas le problème. Là on ne va pas tout lire en 4 heures, d'ailleurs on ne pourrait pas tout lire et faciliter. Par contre, dans le cahier Comment devenir l'argent, là on va tout lire ensemble. On va aller voir tout ce qui remonte par rapport à tout ce qui est lu. C'est une autre formule, c'est un des premiers livres, je crois, que Gary a écrit. Ce n'est pas le premier livre. À l'époque, d'accord, il travaillait en canalisation et avec un certain Raz, vous découvrirez qui c'est dans le livre si vous ne le savez pas encore. Et d'ailleurs, un jour, Gary a demandé à Raz, il lui a dit « Mais écoute, il y a un truc là, pourquoi je ne peux pas faire ça tout seul ?» Et Raz lui a dit « Mais tu n'as pas besoin de moi, en réalité, tu peux faire ça tout seul. » Ce n'est pas nécessaire de canaliser quelqu'un qui nous apparaît être à l'extérieur, c'est nous qui sommes la source. Oui. Mais ici, dans ce livre, c'est une
Donc, il y a Gary qui discute avec Raz et avec les participants d'une classe, puisque c'est une retranscription d'une classe. Et là, il y a des questions au début du livre auxquelles on va répondre. Et puis, on va explorer chapitre par chapitre, en été, qui chaque chapitre étant en lien avec une des questions. Et on peut reposer des questions d'ailleurs à la fin, voir un petit peu notre façon, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué, sans rentrer dans le tort de soi, parce qu'on n'a jamais tort. Et nos points de vue évoluent au fur et à mesure du temps. Le but, entre guillemets, le but étant de ne plus avoir de point de vue, que tout soit léger et fluide, sans s'accrocher aux choses. Et donc, on va aller explorer ce livre. Là, je me réjouis vraiment de... C'est la première fois que je fais ce book club-là. L'autre, je l'ai déjà fait en book club. C'est la première fois au club de lecture. C'est la première fois que je fais ce cahier avec un groupe et je me réjouis beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est un cas d'activité. Donc, bien sûr, les deux, il faut avoir les deux ouvrages à son domicile, enfin chez soi, pour suivre les book clubs. Oui. Voilà. Et le cas d'activité, effectivement, pour pouvoir le pratiquer en même temps, finalement, que le call. Oui, c'est important et vous pouvez vous les procurer. Je pense qu'ils existent tous en audio. Donc, c'est facile de se les procurer. Et sinon, il y a moyen de les avoir sur Amazon. Même les livres d'accès sont disponibles sur Amazon. Oui. Et donc, vous pouvez vous les procurer très, très vite. Hein. Donc, si vous commandez, ben, l'argent n'est pas le problème aujourd'hui. Ben, vous le recevrez sûrement lundi. Parce que ce n'est pas le premier jour. On ne va pas vous virer. Non. C'est clair. Et je pense qu'il y a des audios, pas des audios, des Kindle aussi. Donc, certains aiment bien cette version-là. Et donc, vous pouvez très bien l'utiliser en Kindle. Et puis, pour le livre « Comment devenir l'argent », là, il suffit simplement de recopier les questions. De toute façon, moi, les questions, je n'ai jamais écrit dans mon livre. Je les recopie chaque fois que je les fais pour avoir justement l'espace et n'avoir rien qui me perturberait de mes anciennes réponses. Ouais, c'est juste, je ne remplis aucun papier, je gomme une fois que je l'ai fait. Et... Voilà. Alors, je garde une trace pour voir en fait quelle était ma réponse. Mm-hmm. Et je suis super heureuse de voir qu'il y a des questions, des réponses qui n'ont pas changé. Mm-hmm. Il y en a là qui ont évolué, qui ont changé. Donc, mm-hmm. ça permet de voir aussi, voilà, il y a des choses qui bougent quand même. C'est pas... Même si nous, on n'a pas tout de suite la conscience avec ça, les choses bougent quand même, oui, avec ce cas d'activité. Mmh. Oui, tout à fait. Mais il n'y a aucun point de vue qui est meilleur que l'autre. Non. Ça, c'est important. De toute façon, donc, Il n'y a pas vraiment besoin de comparer, mais c'est de voir que ça bouge. C'est ça. Et l'argent, c'est une énergie. Avant d'être des lingots d'or, comme sur le livre, avant d'être des papiers, des pièces sonnantes et trébuchantes, l'argent, c'est de l'énergie. Simplement, dans cette réalité, on l'a matérialisé avec des billets, des pièces, et puis bon, maintenant, très fort de façon virtuelle. Et c'est une énergie avant tout. Et donc, ce cahier ne va pas que travailler sur l'argent, il va travailler sur votre capacité à recevoir. Les deux livres vont travailler sur votre capacité à recevoir. Vous permettre de vous relaxer dans le recevoir et du coup de recevoir dans tous les domaines de votre vie. J'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a des prérequis pour ces book clubs? Est-ce que ça, c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait des access bars ou... Non, il n'y a aucun prérequis pour ces book clubs. Le seul prérequis, c'est d'avoir le livre pour pouvoir justement participer aussi à la lecture et poser vos questions. Mmh. Pour le premier book club, ou club de lecture, si on parlait français, n'est-ce pas? J'en entends déjà qui me disent « pardon, français ». Et bon, voilà, je suis un peu polyglotte. L'argent n'est pas le problème, c'est vous. On ne va pas tout lire. Et donc, les participants sont invités à dire « moi, je voudrais qu'on parle de telle partie du livre. » Mmh. Donc, c'est vraiment une création. C'est vraiment co-créé entre nous et d'aller voir, tiens, ce paragraphe-là où je ne comprends rien de ce que ça veut dire, ce qui est souvent le fait que ben, y a des choses à déblayer, il y a des choses à faciliter, là, à bouger, qu'on est un peu coincé dans ce domaine-là. Ça peut être qu'on ne comprend pas ou bien qu'on veut aller plus loin ou que ça nous remonte des choses, ça vient titiller des choses vraiment désagréables. Et donc, c'est l'occasion justement pour être facilité par rapport à ça. Et dans le deuxième livre, on va tout lire. Et donc, tout va y passer.
pourrait passer, oui, voilà. Et on peut très bien, par exemple, au troisième call, avoir quelque chose dont on parle, et puis en arrivant au quatrième, dire « oui, mais la fois dernière, il y avait ce truc-là, et c'est là, ça reste, est-ce qu'on pourrait en parler ?» Oui, bien sûr, on peut en parler. Et au sujet donc, du livre, « L'argent n'est pas le problème, c'est vous », donc rien n'est prédéfini à l'avance, on laisse aussi l'espace pour que les personnes puissent, d'un call à l'autre, par exemple, proposer aussi une piste de lecture. Donc, il y a un groupe qui va être créé, enfin, qui est déjà créé d'ailleurs, sur Telegram pour justement échanger entre les calls. Si vous avez des questions, si vous avez des choses qui remontent aussi, c'est possible de... Voilà. Tout à fait. Il y a deux groupes Telegram chaque fois. Pour chaque book club, il y a un groupe Telegram pour échanger et un groupe Telegram pour les replays. Puisque vous recevez les replays, et si vous n'étiez pas en direct, vous pouvez poser vos questions en n'étant pas présent. On peut toujours demander qu'on aborde un sujet. Et il sera abordé du coup dans l'appel suivant et vous retrouvez le replay sur le groupe Telegram. Et les personnes qui désireraient s'inscrire aux deux book clubs auront un prix préférentiel. Voilà, c'est la question que je vais te poser. Oui. Et puis, est-ce que tu poses une date limite pour les inscriptions ? Est-ce que, ou c'est pas encore... Je n'ai encore rien posé. Donc ici, on commence le 10 juillet pour l'argent n'est pas le problème. C'est au moins ouvert jusqu'au 11. Ouais. Mais que faudrait-il pour que les gens s'inscrivent avant le début et pas, comme certains m'ont déjà demandé, à la fin du book club, de pouvoir quand même avoir les replays? On me le demande même parfois le lendemain. Alors là, c'est trop tard. Non, je ne peux pas, de toute façon. Je ne peux pas. Ça fait vraiment quelques règles dans Access quand même. Je ne peux pas. Et pour l'argent, pour le cahier pratique de l'argent, ben, ce sera ouvert probablement encore pendant un ou deux jours. On verra un petit peu aussi. Ça peut aussi dépendre, là on pourrait peut-être mettre un prérequis aussi, des gens qui ne connaîtraient pas du tout, c'est plus compliqué d'arriver après le deuxième appel ou le troisième appel, dans le deuxième ou le troisième, tandis que des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà travaillé tout ça, c'est un petit peu différent. Moi j'avais rejoint comme ça un cahier avancé de l'argent, avec il y avait déjà trois calls qui avaient eu lieu, et la personne me connaissant bien, sachant que j'avais déjà fait pas mal de classes de ci, de ça, m'a dit ok, c'est bon, allez, c'est bon pour toi quoi. Donc voilà, mais que faudrait-il pour que les gens s'inscrivent avant que ça ne commence? Tout à fait. Voilà. Juste une petite info pour le cahier pratique de l'argent. Oh, pardon, excusez-moi. Une communication. C'est mon téléphone qui parle tout seul. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que les dates ne sont pas consécutives, donc c'est du 1er août jusqu'au 18, mais il y aura des week-ends ou des dates qui sauteront. Donc, ce n'est pas 10 jours consécutifs. Non, tout à fait. C'est jusqu'au 18 ou c'est jusqu'au 21? C'est jusqu'au 21, lundi 21. Oui. Ça semble bien. Moi, j'ai mis 18, mais bon, si tu as mis… Ah oui, 21. C'est 21 et sur le visuel, c'est 21. C'est pour ça que je vérifiais. Il y a encore le lundi 21, Tout à fait. Il y a derrière ma feuille. Donc voilà, ça va, on va sauter quelques jours à chaque fois. Donc, ça vous permet aussi de reprendre votre souffle entre les deux appels, parce que c'est assez… en fait, c'est quand même une… on travaille avec les outils de la conscience à chaque fois dans les book clubs. Ce n'est pas juste de la lecture. Il y a… c'est une énergie de facilitation avec Anne Florence qui est omniprésente. Donc, c'est pas… Même quand je lis, Anne Florence facilite. C'est-à-dire que… Si je trouve des mots pendant ma lecture, elle sera là pour me dire « Tiens, c'est pas anodin que tu as lu comme ça. » On a eu le cas dans un autre book club récemment où tu as switché avec un mot et le terme était important. Donc, ça changeait la signification de la phrase. Et donc, du coup, en effet, je t'ai dit « Voilà, tu ne tournes pas les pouces quand tu es en train de lire. C'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Voilà. Il y a toujours de la facilitation énergétique en même temps aussi. Ouais. En tout cas, moi, je le sens quand je lis. Il y a des moments où ça monte, il y a des émotions, forcément, ça fait remonter des choses. Et ce qui est chouette, c'est qu'Anne-Florence le capte et facilite en même temps. Donc, je vous invite vraiment à ces book clubs parce que vous allez vraiment... Enfin, c'est un accompagnement aussi, c'est pas juste de la lecture et de la facilitation, il y a un accompagnement... ça peut être une belle aventure pour cet été de travailler, s'amuser, Oui. Cet été avec l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez créer dans vos vies de plus grand en vous permettant de recevoir ces énergies de l'argent? Oui.
Et qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même par rapport à l'argent, que si vous commenciez à ouvrir les yeux doucement, ça ne doit pas être fracassant, mais non, pas du tout, hein. Que vous ouvriez ça doucement, avec plein de douceur pour vous et de bienveillance pour vous, d'aller voir avec vulnérabilité les endroits où vous êtes coincés. Qu'est-ce que ça pourrait créer justement de plus grand, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines de votre vie, et pas que simplement votre portefeuille et votre compte en banque. Oui, c'est vrai que ça ouvre tellement d'autres choses après, de travailler, de recevoir l'énergie de l'argent, c'est... Oui, on reçoit bien plus encore. Tout à fait. Bon, merci, merci à toi. Merci beaucoup. On est souvent synchro, nous deux. Oui, maintenant, c'est l'heure. On doit avoir des activités communes, je pense. Oui, je crois, oui, ça doit être ça, oui. Merci beaucoup à toi. Et puis, si vous avez des questions, venez vers Claudia, venez vers moi, n'hésitez pas. Et on va vous mettre les liens pour vous inscrire. Voilà, et donc le premier rendez-vous commencera lundi le 10 juillet. À 13h. À 13h, oui. À 13h, oui. Je n'ai pas indiqué les l'heure du lunch. Pour le book club du livre, donc l'argent n'est pas problème, c'est vous, c'est 13h. Et pour quelle activité, c'est 9h. Oui, tout à fait. On commence le matin en forme. Voilà, tout à fait. Ça promet. Bien, très belle soirée à toi. Merci. Très belle soirée ou journée à vous, suivant l'heure à laquelle vous écouterez ceci. Et à tout bientôt. Ciao. Ça sonne à l'église, il est l'heure.